quels que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves présentement, je sais que tu peux résister. Car ta vie, oui, ta vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Je bénis le nom du Tout-Puissant. Je glorifie son nom. Il est Adonai, il est El Shaddai. C'est lui qui peut tout et c'est lui qui fait tout. Gloire à son nom dans les lieux. Que Dieu soit loué cet après. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Je bénis tous ceux ou celle qui me regarde en ce moment. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et je bénis aussi le promoteur de EAC TV. Et l'équipe qui est autour de lui. Que l'Éternel des armées les bénisse abondamment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Vous êtes en train de regarder une émission. Émission spéciale. Émission qui s'adresse à toi. Émission d'exhortation. Émission de consolation. Émission qui va t'aider à te lever. L'émission là c'est ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. L'émission qui va t'aider. Toi qui es rejeté. Toi abandonné. Toi qui souffres d'une maladie. Toi qui es déprimé. Vraiment, par cette émission, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu lui-même va te consoler. Il va te relever. Il va te relever. Il va te relever. Ainsi, au cours de ces émissions, Dieu va nous parler ensemble. Que le nom de Dieu soit loué. Prions. Seigneur Jésus, nous sommes à toi. C'est toi le consolateur. C'est toi qui peux nous parler. Parle-nous en ce moment. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous poursuivons l'émission. L'émission ne craint rien. Ce moment précis, nous allons expliquer brièvement, avant de prier, la crainte. Pourquoi l'émission là est venue? Dieu nous a inspirés de communiquer avec nos amis, nos proches. Surtout toi qui nous regardes, qui nous regardes. Que Dieu te dit, si tu as une peur, si tu as une inquiétude en toi, oublie ça. Parce que Dieu veut te relever. Que Dieu soit loué. Donc je m'en vais te dire, si tu as peur, si tu crées quelque chose, tu es affaibli. Tu ne peux pas réagir. Tu vas devenir comme un pneu dégonflé. La peur affaiblit le cœur. Celui qui a peur n'a plus le tonus d'évoluer. Job aussi, lorsque ça lui est arrivé, dans ses analyses, il nous dit dans Job 3, verset 25, il nous dit, ce que je crains,
C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dans ses analyses, il a consacré tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Tout ce qui lui est arrivé, c'est ses craintes, ses peurs, ses dépressions. Ainsi, il a dit vraiment, c'est ce que je crains là. C'est ça qui me génère beaucoup de problèmes. Donc, depuis Genèse, on a constaté que tous ceux qui ont marché avec Dieu, la parole de Dieu pour eux, Dieu a l'habitude de leur dire, ne crains rien. À notre père Abraham, Dieu a dit, ne crains rien. Plusieurs fois, ne crains rien. Je suis avec toi. À Isaac. Dieu a dit, ne crains rien. Je suis avec toi. À Jacob. Ne crains rien. Je suis avec toi. Toi qui me regardes. Je m'en vais te dire. Quoi qu'on soit ce que tu traverses maintenant. Ne crains rien. Si c'est une maladie qui t'a attaqué. Depuis des années. Et tu ne sais plus ce qu'il faut faire. Écoute ceci. Ne crains rien. Ta solution, c'est avec Dieu. C'est avec Jésus. Ne crains rien. Ne crains rien. C'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Les hommes peuvent te faire peur. Les hommes peuvent te faire peur pour t'escroquer. Mais moi, je te dis au nom de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit lorsque tout est perdu. Ne crains rien. Ne crains rien. Donc, si tu as peur, si tu as l'inquiétude en toi, même si tu pries, ta prière là ne marche pas. Ça ne peut pas aller. C'est la crainte te domine. Donc, Dieu te dit, ne crains rien. Ne crains rien. Si on regarde Paul, je dis David. David, il dit, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, tu n'auras plus de crainte. Même si on te dit que tu vas mourir, ne crains rien. Je m'en vais prier pour toi maintenant. Je m'en vais prier pour toi. Donc, tu as peur de quoi? C'est parce qu'on t'a rejeté. C'est parce que ton mari t'a rejeté. Tes enfants, tout le monde t'a abandonné. Ne crains rien. C'est ce message-là que je te dis. La crainte a amené de maladies dans la vie de beaucoup de personnes. Donc je te dis en ce moment, ne crains rien. Dieu est avec toi. Jésus est la solution. Jésus est la solution à tous ce que tu traverses. David dit dans Psaume 56, verset 12, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Que peut me faire les hommes? N'écoute pas les intimidations des hommes. Ne les écoute pas. Que l'Éternel te relève. Je m'en vais prier pour toi. Est-ce que tu as une maladie dans ton corps qui te fait peur? Tu as la peur de la mort. Tu as la peur des hommes. Tu crains même la nuit. La crainte te fait même donner des insomnies. Dis maintenant, je ne crains rien. Dis avec moi, je ne crains rien. Dieu est avec moi. Je ne crains rien.
Ne crie même pas la mort. Même si on t'a annoncé la mort. Même si quelqu'un t'a dit que la mort est là. Ne crie pas. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Si tu as la peur, ta prière ne peut pas monter. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Maintenant, je prie pour toi. Si tu as une maladie dans ton corps, je chasse maintenant tout esprit de crainte. Tout esprit d'inquiétude. Qui te bouille, qui te fait peur. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Les maladies dans ton corps sont renvoyées au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Toi qui es abandonné, Jésus t'aime. Ne crains rien. 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 Toi qui es malade, je prie afin que l'Éternel des armées te guérisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes à la fin de notre émission. Que l'Éternel des armées soit avec toi. À la prochaine. Ne crains rien. Appelle quelqu'un. Partage ce message. Avec tes proches. Dis-le. Ne crains rien. Tu peux appeler quelqu'un. Tu peux partager ce message. Tu peux partager cet audio ou bien cette vidéo. Dis-le. Ne crains rien. Shalom à toi. Shalom à toi. Nous sommes, l'émission est partagée par le centre d'intercession de prière Golgotha. Le centre d'intercession de prière Golgotha. Centre d'intercession de prière Odia Ajara. Mettez-toi Ajara. Tout juste à côté du centre de santé de Sota. Mettez-toi à part de toi Sota. Deuxième vont à droite. Hey, Zedeme à Weta. Après le centre de santé de Sota. Il m'a mis Zedotowe dans la zone université du centre universitaire. Et d'Ajara. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as besoin des conseils et des prières, tu peux nous appeler au 97 38 39 30. Que Dieu soit avec vous. Shalom. À bientôt.